Asseyez-vous, restez assis. Ah, mais c'est trop bien, c'est directeur du centre. Vous allez rencontrer pendant votre séjour plusieurs personnes. Pardon, excusez-moi. C'est pas facile. Et on avance. Tu peux prendre des petits biscuits. Regardez, on y va.
très bien, le château de Murat Pierre, excellent. Et le deuxième, est-ce que tu l'as trouvé? Le château de Roche Vert. Vendée, la Roche Vendée, très bien. C'est à qui que tu as demandé ça? La dame, elle habite juste en face des thermes. Elle vend de la pistole. Très bien, c'est pas... Un, deux, feu! Attends, on va refaire une. Un, deux, feu! Oh, t'es faible hein, sur la nuit ardente, hein? T'asseoir. Un bon gars bien costaud, là, qui est aussi, là. Viens. Un bon gars bien costaud, oui. Un, deux, feu! Allez, allez, allez! Ça va toucher le plafond. Ah, pas mal. Regardez bien maintenant qu'on a vu l'expérience. Regardez bien la forme du nuage et regardez bien la vitesse à laquelle il sort. Et regardez surtout quand il arrive très haut. Vous allez voir qu'il sort comme ça. Il sort très très fin au départ, il s'élargit. Et regardez quand il arrive en haut, il fait... Il s'étale. C'est très important par rapport à la disparition des dinosaures. Regardez bien cet énorme nuage. C'est une petite fille qui s'ouvre dans un petit volcan. Et regardez la couleur de la pièce lorsque le nuage va s'écarter. Ça, c'est très très proche d'une nuit ardente. Vas-y, regardez bien, regarde bien. Fin, je monte, je m'élargis, et là, je m'étale sur quasiment toute la largeur de la pièce. Vous avez vu? Et ça retombe. Alors là, c'est de la farine. C'est rien. Mais quand c'est de la cendre à 800 degrés, vous imaginez un peu? Il n'y a pas eu assez. Oh, voilà une belle coulée de lave. Alors attention, la vitesse du coulé de lave, c'est une moyenne de 4,5 km/h. Est-ce que ça va vite 4,5 km/h? En courant, vous allez plus vite. Attention, des fois, elles peuvent atteindre 30 km/h. Là, c'est déjà... Oh! Alors ben, voyez, c'est même pas... Donc je viens de découvrir. Mais on n'en boit pas beaucoup, nous, du lait de jument. Et qu'est-ce que ça veut dire, mammifère? Voilà, quand ils ont fait un petit, ils le nourrissent au lait. Hein? Bon, alors nous, avec ces trois laits d'animaux qu'on peut faire du fromage, mais on ne fait pas n'importe quel fromage avec n'importe quel lait. Alors pour faire du Sénéctel, il faut du lait de vache. Et moi, je dis qu'il le faut cru et entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Cru. Cru, qu'on n'a pas chauffé. Il est entier, qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, le soir. Et qu'est-ce qu'on peut enlever? Vas-y. Voilà, les animaux, ils donnent du lait avec de la crème. Si on n'enlève pas la crème, le lait, il est entier. Et si on enlève la crème, comment il est après? Comment? Écrémé ou... Ou demi-écrémé, voilà. Alors, et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on peut faire avec la crème de lait une fois qu'on l'a enlevée dans le lait? Du beurre. Du beurre. Soyez francs, qui le savait? Pour faire du beurre, il faut avoir de la crème de lait. Qui le savait, à part lui et elle? Oui. Et les autres, non? Ça vient de chez Michelin, le beurre, non? Qu'est-ce qu'il fait, Michelin? Qui répondu? Oui? Qu'est-ce qu'il fait Michelin? Si, ça va bien. Et comment tu sais? Et que tu sais pas ce que tu manges ou ça vient? Hein? Tu savais que le beurre était fait avec de la canne? Hein? Alors c'est-à-dire que pour faire un fromage, n'importe lequel que ce soit, n'importe quelle région qu'on soit de France, n'importe quel lait, l'animal qui a donné le lait, pour faire du fromage, il faut commencer par durcir du lait, avoir du caillé. Alors tous ceux qui font du fromage, ils ont sous la main de la présure, hein. Voilà, pour obtenir du caillé. Tandis que chez Alexandre, c'est la dame, là,
Ils ont aussi des vaches qui sont des mammifères, hein, des herbivores aussi. Ils sont pas carnivores. Encore que. Et quand la vache a fait les veaux, là, chez Alexandre ou chez la dame, ils ont décidé qu'ils voulaient pas aller traire les vaches. Alors, la vache, elle fait manger. N'allez. Fait, il n'y a pas de i. Les petits qu'ils étaient qui vont devenir grands pendant 10-11 mois, là, c'est des vaches allaitantes. Et les vaches sont souvent ou toutes blanches ou toutes marron. Que je la presse. Et c'est quoi qui coule là? Le lait. Le lait. Non, le lactosérum ou petit lait. Ouais. C'est pratique. C'est une table exprès. Ah bah oui. Elle n'est pas faite pour jouer au tennis, hein. Pour ping-pong. Passer à la... casserole. Il est en train de bouillir là-bas. Alors de la viande de porc bouillie avec des légumes dans le chou, c'est quoi? Voilà. Et de la viande de vache ou de bœuf bouillie dans de l'eau avec des légumes. C'est d'un côté, mais avant de mettre du sel de l'autre côté, je vais écrire camembert au lait de chèvre. Pourquoi elle rigole, la dame? Bah parce que vous marquez 100 hectares. Ah, bah heureusement que tu es là, toi. Hein. Voilà. Alors, dans ma phrase, j'avais dit deux bêtises, c'est-à-dire. Camembert. Bah, c'est pas du camembert déjà. Et on n'est pas ça que le lait des vaches chez Antoine rouge là-bas, il peut pas faire du. Parce que les vaches n'ont pas mangé l'herbe d'eau. La finale. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui. Alors, tout le monde. Les vacances, c'est quand? Tout le mois de mars, vous allez penser à moi alors? Oui. En maths, en orthographe, en géographie, science. En sciences. Cher. Mais Cyr, il lâche pas la cricaille comme ça, hein.
Donc, on passe le fil. Entre vous, un bon conseil, évitez d'aller trop loin après l'horizon, c'est dangereux. Vous pouvez tomber. On a bien envoyé quelques-uns par là-bas, mais ils n'en sont jamais revenus en général. Et ceux qui en sont... Mais non, au centre du monde se trouve Jérusalem, la cité sainte. Tous les croyants se tournent vers Jérusalem. En haut d'une carte, on fait figurer quelle direction. Mais non, pas le soleil. J'ai dit, le soleil il tourne, il se lève de ce côté-là, il se couche de ce côté-là. Quelle direction en haut d'une carte? Le nord. Mais non, nous, non, non. Nous, pour nous orienter, nous n'utilisons pas des termes religieux comme vous, des termes cardinaux. Nous utilisons d'autres termes. En fait, en haut d'une carte, au Moyen-Âge, on fait figurer l'Orient. Et oui, ce qui donne après le tard et bon séjour dans nos terres, en espérant que quand vous allez repartir, vous allez ramener le mauvais temps, parce que quand même, hein. Non mais, c'est bon en Auvergne avant. Oui, avant. Bon, maintenant vous allez suivre le fol. Non mais faut quand même parler. Les enfants,
moi. Thank you.
un petit peu, disons, de graisse qu'on a sur la peau. Et cette graisse va empêcher la roue de marcher. Même si on se lave les mains. Ouais. De toute façon, on a la peau est un petit peu grasse. Elle a du sébum dessus et ça ne convient pas du tout à la roue. Donc, il nous suit les dièses et les bémols. Voilà. Comme sur un piano, les notes blanches et les notes... gigantesque que les gens se sont dit c'est pas possible que ça soit un seul volcan. Alors au début on l'a appelé la chaîne des Dores. Mais ce mot chaîne de Dores, il est complètement faux. Vous comprenez pourquoi? Une chaîne, c'est un enfant. Le problème de ce volcan. Non, je parle de celui qui est tout à gauche. Hein. Je vous dis que c'est un volcan effusif, il doit manquer quelque chose dans vos têtes. On essaye de se réveiller un peu là. Ça fait 4 jours qu'on parle des volcans. Vous devez à peu près savoir ce que c'est qu'un effusif maintenant. C'est mal au cœur, hein. Ça devrait être un cône, mais qu'est-ce qu'on trouve au sommet? Eh, Damien, je croyais que j'ai trouvé Pas maintenant qu'on est chaud, on peut attraper froid.
mes cheveux. Pas au bureau de tabac. Donc on va aller mettre les verres dans la terre s'il vous plaît parce que quelqu'un va marcher dessus. Allez, vous êtes responsable de votre sac et de vos affaires.